Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Ta famille, Raoul Leblanc a perdu le prix, le trophée du meilleur influenceur de l'année. Et vous savez, le débat s'impose. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez trouvé les idées, les arguments de l'organisatrice de cet événement? Dites-moi avec sincérité, est-ce que ce qu'elle dit, ça tient vraiment? Ok, c'est juste une question. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Mais mon frère Guide lui fait beaucoup de choses. Il fait comédie. On peut lui offrir trophée de comédie, premièrement. Arrête, on met pause. Attends. Oui. Demande ceux qui sont là. Oui. Demande quelqu'un n'a qu'à monter. Voici, je fais comédie ou pas. Comédie là, comédie là, comédie là. Va, quand tu vois la vidéo des gens, les gens rient. Ouais. Comédie, qu'est-ce que tu appelles pas comédie, ma soeur? Ouais. Faut pas dire que je suis limité. Pour faire rire aux gens, je le fais. Quand je parle et que je casse le français pour faire mal au français, ouais, ça fait rire les gens. Ouais. On fait de la comédie. On fait des trucs. Ouais. Voilà. Quand tu dis... Quand tu dis Raoul, attends. Non, attends. Je vais parler. Je vais parler pourquoi on a nommé le premier influenceur de cette année au Togo. Parce que au Togo... Retirez-moi le prix. Moi, je ne peux pas être deuxième. Non, attends, je vais t'expliquer. Quand on a nommé Guide premier influenceur du Togo cette année, parce que je vais te dire les qualités de Guide, et je te dis tes qualités aussi. C'est là-bas, toi aussi, tu as tes fans ici. Et aussi, on va me faire monter deux personnes, ils vont témoigner si je mens. Si c'est toi, on va essayer de corriger ça. Ou bien, moi, pour moi, Guide est premier influenceur de cette année. Parce que pourquoi? Tu sais, comme les Ivoiriens font Awol là, les Awol de Côte d'Ivoire qu'on a fait hier, avant-hier là, Primid qu'on a fait la femme, semaine passée, cette semaine non, samedi ou bien, oui, ils ont fait ça. Tu as vu comment ça est? Ma soirée va devenir comme Primid. Parce que tu sais, premièrement, quand les gens vont à ma soirée, tout le monde s'habille très très bien. Très très bien, pas de défaut. L'année passée, on a fait cette deuxième édition. Deuxièmement, pour les influenceurs, ce n'est pas seulement pour les garçons. Il y a les filles dedans, pour les femmes aussi. On va donner les cadeaux. Pour Guide, c'est cette année. Merci beaucoup, Blondie. Pour Guide, c'est l'homme qui a fait un an faire connaître pour toutes les langues. Raoul, toi-même, c'est dans cette année que tu as connu Guide, non? Attends, je vais terminer d'abord, tu vas parler. Guide, premièrement, on peut lui offrir trophée de celui qui fait rire les gens. Tu sais, on peut lui offrir trophée de celui qui n'a pas peur d'affronter, peu importe la situation. Tu comprends, non? Et puis, on peut lui donner qu'il est blogueur aussi. Maintenant, Raoul, toi, tu as blogueur. On va parler comme ça. Quand on prend l'année, quand on veut donner le trophée à quelqu'un qui a moussé, qui a fait bouger le Togo, je te dis, moi, je ne refuse pas de remettre ça à Guide. Mais ce que j'ai fait cette année, Guide n'a pas fait la moitié. Moi, je vais te parler. Avant, moi, je suis parti. Je suis parti au stade de choses et Bayern Munich. Oui. Ça fait bruit. Je suis parti au stade Bernabeu, supporter, joueur togolais, prendre le drapeau togolais, vidéo a fait boum dans le monde entier. Ouais. Les gens parlaient. Je suis parti aux États-Unis. J'ai fait tourner là-bas. J'ai fait clip vidéo aux États-Unis. Ouais. En tant que blogueur, je suis parti en Europe. J'ai fait tout Europe. J'ai fait clip là-bas. Ouais. C'est sur Internet. Ouais. Je suis revenu au Togo. J'ai fait des scènes au Togo. Ouais. Ma soeur. Ok, Raoul. Non, attends. Mm-hmm. Moi, je ne refuse pas. Vous pouvez remettre ça à Guide. Mm-hmm. Mais c'est pour vous dire que
Cette année, Guide n'a pas travaillé plus que moi. Tout le peuple togolais le sache. Non, cette année, j'ai pas. C'est cette année encore que je suis venu au Canada. J'ai fait. C'est le blogueur qui a fait tour du monde cette année. Si c'est cette année-là, non, si vous remettez ça à Guide, c'est comme. Je peux dire que comme il est Kotokoli, tu es Kotokoli, tu as voulu lui remettre. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, ceux qui ne m'aiment pas là, je ne refuse pas, mais venez dire la vérité. Quand on parle de cette année-là, sincèrement, ceux qui ne m'aiment pas là, je ne refuse. Mais quand on parle de cette année-là, prenez cahier BIC et notez tout ce que nous avons fait dans l'année. Raoul, tu me reçois bien parce qu'il y a problème de connexion. Ouais, c'est comme tu avais reçu un appel tout de suite là. Non, c'est ils doivent tapoter. Peut-être c'est des signaux. Tapoter. Ils n'ont pas tapoté. Sinon, cette année-là, j'ai pris le drapeau togolais. Je suis parti à tous les fers. J'ai appelé les Togolais. Les Togolais sont sortis. Ouais. On est venu là-bas, on a fait des vidéos, on a fait des photos. Je suis parti à Paris. J'ai appelé tous les blogueurs togolais. On a fait une soirée. On s'est rencontrés. J'ai pris hôtel pour tout le monde. On a mangé là-bas, on a fait des trucs. Qu'est-ce que Guida fait que vous lui remettez? Ok, Raoul. Par rapport à lui et moi, là, j'ai beaucoup travaillé cette année. Oui, je n'ai pas refusé. Attends. Moi, je vais te dire ce que Guida fait. Ok. Moi, je te comprends. Tu as donné l'exemple que tu as fait, ce que tu as fait pour honorer ton pays, pour ajouter de plus ce que tu as fait. C'est bon. Le travail est bon. Ce que tu as fait, c'est bon. Mais Raoul, dis-moi, depuis quand au Togo ici, sincèrement, Raoul, je ne blague pas, on n'a qu'à être sincère. Dis-moi, en tant qu'au Togo ici, depuis qu'ils ont commencé à donner trophée, qu'ils ont nommé au Kotokoli même de donner même un petit trophée là. La fois dernière, quand ils ont nommé pour donner le trophée là, ils ont appelé notre petite sœur Fali là pour aller. On pensait qu'on a voté pour lui, elle. Parce que nous, on pensait que vous les avez là, vous allez être solidaires. Au moins pour nous, les Kotokoli là, vous allez être reconnaissants pour donner quelqu'un, pour honorer quelqu'un ou bien quelqu'une dans notre côté pour dire que, ah, vous les Nordistes là, vous avez fait quelque chose aussi dans cette année. Depuis que vous avez commencé votre awol et Raoul, vous n'avez jamais donné quelque chose à quelqu'un de Nord. Okay, ni Gabriel, okay. Ni Kotokoli. Vous faites ça entre vous et Vessel. Là, c'est ça que je dis. Là, je vous comprends. Je ne peux pas vous critiquer sur ce côté. Là, je vous comprends. Je ne sais pas ceux qui organisent les choses et par quel moyen ou bien par quel critère ils choisissent des gens. Vous voyez? Ouais. Là, si tu me dis, voilà, c'est parce que les sudistes font des trucs qui écartent les nordistes, là, ouais. je peux te comprendre. Mais pour dire que pour toi, c'est parce que c'est Guide qui est le meilleur blogueur cette année, là, je vais dire que c'est faux. Sincèrement, je vais dire que c'est faux. Peut-être, ce que tu viens de dire là, je suis d'accord avec toi. Peut-être vous avez fait parce que il y a les sudistes qui ne vous insèrent pas dans leur truc pour vous donner de la valeur de ce que vous avez fait. Mais pour vous dire, aujourd'hui, si on parle, si les sudistes connaissent et Babala, si beaucoup aujourd'hui, beaucoup de sudistes connaissent Baba, c'est grâce à Aristo et moi. Oh non, mais pas toi d'abord. C'est, si aujourd'hui, les Mina connaissent Baba, c'est grâce à l'intelligence de Baba. C'est ça on dit blogueur. C'est pas Aristo qui est venu chercher Baba, de venir jouer le game. Non, c'est pas l'intelligence de Guide. Quand Guide est intelligent, il sait que quand il voulait influencer, il voulait être international là. C'est Guide qui est allé vers Aristo. Aristo, il n'est pas venu jouer le match. Bon, et puis, ça, je ne refuse pas. Si on parle aujourd'hui que blogueurs, nous les blogueurs togolais, ou bien les influenceurs qui sont internationaux, il y a des pays qui m'appellent sur des trucs, il y a des pays qui m'ont... Pour le moment, sur international, on ne connaît pas Baba.
Attends, on connaît Baba sur l'international parce que Baba n'arrive pas à déplacer. Parce que, attends, je vais te dire un seul truc. Tu sais que Raoul, pour le moment, moi, je me dis que je ne fais pas de blogging. Mais Baba dit que je suis blogueuse. Mais moi, je dis que je suis coach. Parce que je suis une femme mariée, j'ai des limites à ne pas toucher. Donc, ça ne me permet pas à être blogueuse. Tu vois, non? Moi, je mets une limite à coaching. Mais moi, Baba, si aujourd'hui, Baba a les moyens de partager... Parce que tu sais que blogging, là, ça fait partie de l'influence. Blogging, là, ça fait partie de l'influence. Donc, si aujourd'hui, Baba avait opportunité de voyager dans les pays où comment tu voyages, là, elle allait frapper fort plus que toi, hein, parce que Baba est là-bas, là. Maintenant, je vais te dire, vous savez... Baba, je peux dire que c'est quelqu'un qui vient et nous sommes sont devancés. Et à nos coins cas, on ne peut pas l'empêcher d'évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenir la main pour venir. Mais si vous venez sur la toile, dit que s'il a tant, il va faire plus que ça là. Qu'on compte le nombre d'années que j'ai fait dans le blogging, les trophées que j'ai reçus, ce que j'ai parcouru là. Ouais. Ce que j'ai parcouru là, c'est bon. Ouais. Donc si quelqu'un qui vient, on veut développer notre blogging et on voit que voilà, il y a un frère qui vient et que on tient ça, mais parce que vous savez, le blogging là, une seule personne ne fait pas blogging. Oui, on sait, mais Raoul, tu sais qu'en temps normal, même Côte d'Ivoire, même là, on donne les prix par rapport à ce qu'on a fait dans l'année. Mais si tu veux dire que tu as duré là, tu peux dire dans la blogue même 10 ans, Baba peut venir 6 mois et faire quelque chose dans cette année et recevoir un trophée dans l'année là. Je ne refuse pas. Cette année que tu parles là, oui. Qu'est-ce que Baba fait plus que moi? Ok, cette année, ce que moi Baba... Je vais te dire un truc encore. Vous savez, ouais. On fait la lecture. Ouais. Si Adebayo est venu dans le direct de Baba, c'est grâce à moi. Voilà, si Adebayo est venu dans le direct, c'est grâce à moi. Pourquoi grâce à toi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi grâce à toi? Je vais te dire. Ça passe sur ton live. Ouais, attends, je vais te dire. L'intelligence. Je vais te dire. Quand on parle de blogging, on parle de l'influence, pas tout ce qui se passe sur la toile. N'essayons pas de voir l'image qui vient comme ça. Ouais. On fait la lecture du jeu. Ouais. Je vais te dire, moi j'ai fait une sortie où j'étais contre la sortie que Adebayo a fait. Et je suis sur la toile, je crie à chaque fois, Adebayo c'est à pour tout seulement, tant. Et j'ai fait une sortie où j'ai contrecarré Adebayo. Voilà. Dans la même semaine, ouais. Voilà. Dans la même semaine où les choses prennent allure, quand je crie, je sors, je dis Adebayo ne nous soutient pas, Adebayo ne pousse pas les bloqueurs tout là, Adebayo, il a quitté, il est venu dans le direct de Baba. Non, Raoul, c'est faux, attends. C'est faux. Non, Raoul, c'est faux. Attends, non. Attends, toi, attends, je vais te répondre là-bas, non. Raoul, attends, je vais te répondre. Attends, non. C'est pas que je suis petit sœur de Baba, hein. Mais Baba parlait avec l'ami de Chéri, hein. Je parlais d'abord, là. Attends. Ok. Ok. Tu vois, quand je crie, Adebayo ne nous soutient pas, Adebayo ne fait pas tant. Tout le monde dit, est-ce qu'il est obligé de nous soutenir? Et tout le monde jette les pierres sur moi. Aujourd'hui, quand Adebayo vient dans le direct de Baba, vous voyez que tout le monde a oublié que c'est Raoul qui crie. Tout le monde a oublié. Hein? Maintenant, tout le monde se dit, oui, c'est parce que tant. Moi, je vais pas critiquer ça avec vous. C'est ça, moi, je dis à tout un peuple que le jour où je quitterai ce monde, les gens vont connaître le travail que Raoul Leblanc a fait. Moi, je suis très fier. Raoul. Oui, Raoul, attends, je vais te dire quelque chose. Il est venu dans le direct de Baba. Et ouais. c'est ça, c'est mon lutte. Lutte qui aime le lutter. Hein. Donc, aujourd'hui,
Si vous dites que non, ce n'est pas à cause de Raoul Leblanc, mais si pour le peuple togolais. Non, attends, Raoul, attends. Tu sais, ce que tu dis qu'aujourd'hui, toi, tu attaques et ça fait comme ça, là, ça, je ne refuse pas. C'est le travail de Arafat. Quand Arafat était là, quand les autres conduisaient les voitures mauvais, quand il les disait que tu as ta voiture là, il fait quand il attrape la personne, il a humilié la personne va faire un effort pour changer de voiture. Tu comprends? On sait que tu travailles de blogging. Mais moi, je ne parle pas comment ça fait eux à débarrer, à monter dans le chose de guide. Ouais, parce mais que, moi, je sais que attends. Tu donnes le prix à Baba parce que cette année, Adebayo est venu dans son direct. Oui. Attends. J'ai pas encore cité fini et puis tu m'as coupé, non. Oh, Raoul, allez. Attends. C'est pas seulement, j'ai pas dit seulement que Adebayo est venu dans son direct. Ça, c'est une suggestion seulement que je t'ai fait. Je te fais une suggestion seulement. Mais je te dis, Raoul, si Guide, Chéhi est venu dans le live de Guide, c'est que Chéhi ne monte pas dans le live de tout le monde. Chéhi, ce n'est pas notre camarade. Ça, on doit reconnaître. Quelqu'un qui a fait tout le pays du monde, là, quand tu arrives dans... Quand tu arrives dans un pays, et puis tu dis, tu viens payer, on dit tu viens du Togo, on dit Togo, on ne te connaît même pas. Quand tu appelles Chéhi, là, on dit, ah, on sait que c'est Togo. Ce n'est pas notre camarade. Chéhi, c'est un monument. Chéhi, là, c'est notre fierté. Chéhi n'est pas notre camarade. Donc, si Chéhi monte dans le live de Baba, ce qui veut dire que Baba est quelqu'un aussi. Il y a les gens qui font les lives. Vous, les Mina, là, vous êtes beaucoup à faire des blogs sur la toile. Pourquoi Chéhi ne monte pas dans vos lives? Donc, si Chéhi monte sur le live de Baba, là, ça veut dire que Baba, ce que Baba fait là, il fait suivi de beaucoup de personnes qui est important. C'est ça que je dis. Quand je dis les prix, là, cette année, c'est Baba qui est premier blogueur de cette année dans ma soirée pour honorer au Togo. Pourquoi je dis ça? Vous, les Mina, là, vous êtes des racismes. C'est moi qui dis. Vous êtes des racismes. Moi, je dis, c'est pour cela que j'ai nommé toi, Raoul, que je vais te donner le prix. À part toi, j'ai appelé Ashley pour le prix. J'ai appelé certains gens que je ne vais pas appeler le nom ici. Je vais faire, parce que c'est la surprise que je vais faire. Pourquoi moi, je n'ai pas dit parce que je vais faire cette soirée, je vais donner ça à ma communauté seule. Quand vous organisez votre award primid tout au Togo ici, là, vous invitez nous, financeurs togolais. Vous êtes que nous, nordistes, là, on n'a pas beaucoup de temps. On a que les petites filles et les petits frères dedans. La fois dernière, on a invité Félix là. Nous tous, on a voté pour elle. À notre grande surprise, ils ont pris ça pour donner leur soeur. Ça aussi, moi, je ne peux pas quitter ça et venir faire la soirée et prendre premier primide pour te donner toi, Raoul. Jamais. Je donne ça, Baba, c'est lui qui est premier, tu es deuxième. Et puis après toi aussi, il y a troisième. Et si l'année prochaine vient, Baba continue de faire victoire, je donne Baba. Mais si c'est vous qui continuez de faire ça, ce n'est pas que je dis que parce que Baba est la mienne. Non! Ça, c'est un net. C'est Baba qui est premier cette année dans ma soirée, qui va premier blogueur. Ok, j'ai compris. Ce qu'on va faire, donne la chance à 10 personnes. On veut 5 cotocolis, 5 EV. Ils vont venir voir le débat, ce qu'on est en train de dire là. Ils vont venir donner leur avis aussi. Donc, il faut prendre 10 personnes. Tu leur poses la question. Okay.